Aseclato. Aïe, aïe, aïe. Aseclato. Sikili. Aseclato. Aujourd'hui encore, nous avons... Agathe, 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 à moi, à moi. Non, je ne veux pas aujourd'hui, non, je ne veux pas. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est quoi? Ça veut dire que je ne veux pas de toi sur mon plateau aujourd'hui. C'est bizarre, c'est pour toi. Oui, c'est mon... Non. Non, 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 Nash, sérieux, non. Non, non, non. Nash, on s'est respecté. On s'est laissé. Nash. Moi aussi, là. Hé, la mort, ça comment? Tout mon plateau. Attends, je ne veux pas. Nash, je ne veux pas de toi. C'est pour toi, l'émission. C'est mon émission, parce que ça commence à bien faire. Tu viens une fois, deux fois, trois fois. Après, c'est pour m'arracher mon émission. Ça connaît bien faire, Sila, là. L'imposant JB, s'il vous plaît, qu'on me mette Nash dehors. Viens la soulever. Non, c'est bloc. C'est bloc. Dehors, Nash. Viens, non, pas arrêter ça, non. Tu me connais pas, ou bien c'est Nash. Nash, pas arrêter ça, ou bien. Pas arrêter ça. T'as bien dit Pierre, viens, viens. Comment que non? Hey. Non, hey, moi, laisse pas ça, laisse un foutaire. Hey. C'est ça, c'est mon grand-père. Yeri, laisse pas, la viens, mais tu apprendras ici. Toi, t'as foutaire, c'est pas ton émission. C'est la dernière émission noire. Là, tu vois, laisse pas, non, je laisse pas, je laisse pas ça là. Chassez là. Attends, je t'envoie un gros bras, mais fous quoi. T'es foutaise. Moi, il est gâté. Il laisse pas, il est gâté. Je respire enfin. Mais c'est pas pour qui celle-là? Elle est sérieuse. Hein? Ah, on refait tout. Voilà. Sans Nash. Je suis contente. 5, 4, 3, 2, 1. Applaudissements. Bonsoir et bienvenue dans On s'éclate. Aujourd'hui encore, nous avons sélectionné pour vous une affiche alléchante des stars de chez nous pour vous conduire et conduire votre soirée dans la chaleur et dans la bonne humeur. Vous avez dit bonne humeur, vous avez dit humour. Eh bien, moi, je vous dis Digbe Cravate. Je ne sais pas. Comment on fait? Cravate, tu peux t'installer. Assois-toi là-bas. Tu peux m'asseoir là. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Non, c'est moi qui choisis. Bah vas-y, tu fais ce que tu veux, Digbe Cravate. Moi qui choisis. Elle a fait les beaux jours de notre télé et malgré le fait qu'elle ait disparu de nos écrans, elle reste bien présente dans nos cœurs, fort heureusement d'ailleurs. Marie-Catherine Coissy. Je sais pas s'il me reste encore des choses dans les bords. Mets la musique, hein. Mets la musique. Tu fais ce que je fais? Ah ouais, quand même. Hé, hey, Marie-Catherine Coissy. Merci de prendre place. Merci. Aux côtés de Digbe Cravate. Salut. Hey, c'est Marie-Catherine Coissy, hein. Je vous ai dit, applaudissez s'il vous plaît. C'est un top modèle qui réussit très bien sa reconversion dans la production et dans l'animation télé avec son programme La Saga des Mannequins. Voici Fatim Sidney. Pour vous. Bonjour.
applaudis, Fatim. Ah, ça. Allez, et pour terminer, tu peux t'installer, ma chérie. D'accord, même s'il a pris notre place, apparemment, il voulait... C'est pas grave. Il a choisi, il était le premier à venir, donc... Et pour finir, mesdames et messieurs, la méga star du Zouglou, transfuge de la célèbre formation Les Salopards, voici... Merci. Oh là là. Mesdames et messieurs, voici donc le magnifique casting de ce soir. Et moi, je suis très, très heureuse de vous accueillir tous les quatre sur le plateau de On s'éclate. Merci. Ça vous va aussi. Oui, ça va. Bon, c'est vrai que d'un côté, on a les Djula quand même. On n'a pas fait exprès, hein, sérieux. C'est quoi ça, Non, mais dans tous les cas, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Il faut prendre ça comme ça. Il faut prendre ça comme ça. Maintenant que tu le dis, c'est ça, Fatim. Il faut prendre ça comme ça. Mais dis-moi quand tu dis y a c'est ça qui est là. Combien de Djula dans la salle? Merci, vous comprenez, vous comprenez maintenant. C'est normal. Merci. Il faut prendre ça comme ça. Alors, c'est vous qui êtes là. Il faut prendre ça comme ça. Alors, il faut que je vous explique. Hein, le principe de cette émission, c'est vraiment tout sauf être sérieux. On va danser. On va rigoler, on va s'amuser, ça, c'est vrai que ça glisse un peu. On va même chanter de façon assez décalée. Et puis, on risque de vous faire subir des gages, et non des moindres. Tout ça, c'est pas de mon fait, mais du fait de Ordi. Bonsoir, très cher. Bonsoir, Connie. Comment bonsoir, allez-vous public. Ça va très, très, très bien. Et le public qui est présent, encore, avec nous, aussi nombreux. Alors, il est important pour moi... Ton ordinateur, il y a 5 heures, on va pas s'entendre. Il est temps pour moi, bon, enfin, il est important pour moi de vous signaler qu'à un moment donné de l'émission, à n'importe quel moment que nous ne choisissons pas nous-mêmes personnellement, Ordi risque de faire Imo. Bon, enfin, je ne sais pas le faire avec sa voix. Ordi, ça fait Imo. Voilà, ça veut dire que personne ne doit bouger, que vous soyez en train de danser ou faire quoi que ce soit, vous restez tel quel, sinon vous avez droit à un gage. Et je ne vous garantis pas ce qui va suivre, d'accord? C'est un baoulé. Pourquoi tu poses la question? C'est un bété. Allez, on va commencer tout de suite avec les jeux et donc place au jeu. Danse avec les signes. De quoi s'agit-il, très cher Ordi? Alors, il s'agit de deviner la danse qui se cache derrière les images. Attention! Vous avez 15 secondes par image. Et l'équipe gagnante sera celle, évidemment, qui donnera le plus de réponses. Voilà. Et on va commencer par le groupe des Djula. Soumbil et Fatim. Allez, venez. Dans le groupe 2, c'est Djula. Venez avec. Oui. Allez, venez me rejoindre là. Sur la piste de danse, bien au milieu. On va tout de suite vous afficher la toute première image. Et puis, vous allez nous dire à quoi ça vous fait penser comme danse. D'accord. Allez, on y va. Bon, je vais juste vous dire que ça a été inversé. Ce sont des lettres d'une danse qui ont été inversées. Makassa, je pense. Bah voilà, bonne réponse. Et comment on danse? Moi, t'es tué aujourd'hui. Et comment on danse? Moi, t'es tué aujourd'hui. Comment on danse? Fatim, comment on danse? Qui t'est dansé, Makassa? On connaît le nom, mais on danse aussi. Je pense déjà à mon frère Digué. Ne pense pas à Digué parce que pour toi, c'est pas fini encore, Soumbil. Ni pour toi, ni pour Fatim d'ailleurs. On va regarder la deuxième image tout de suite. Hein. Allez, envoyez. Bon, LMFAO, c'est le nom d'un groupe que vous devez certainement connaître, un groupe américain qui a inventé une danse. Je ne sais pas si vous allez vraiment avoir le nom de la danse en question, mais vous pouvez l'expliquer. Je ne sais pas, j'ai dû voir un peu le clip, c'est un truc de... Comment on danse déjà?
Il faut donner le nom de la danse, comme je veux. Toun-toun-toun-toun-toun-toun. Oui, quelque chose comme ça. Mais c'est quoi la danse? C'est ça, le nom de la danse, c'est toun-toun-toun-toun-toun-toun. Safala, Safala. Vous la respectez, nous. Safala, Safala. Safala, Safala. Exactement, bonne réponse. Et on peut commencer le moment. Safala, Safala. On fait des gens qui sont devenus américains. On va te tuer. On est plus proche des Américains. Voilà. Pourquoi il met glissez-moi déjà. Mais parce que les gars là, ils glissent. Souvent ils glissent tout ça. Attention, on a mis Soumbi le ralenti, ça fait Alpha Blondie, c'est ça. Yes. Bon, on va pas applaudir quand même, hein, quand même. Sérieux. Moi, j'avoue que vous n'êtes pas de grands danseurs quand même, hein, pour l'instant, hein. Ça dépend des morceaux. D'accord, bon, on en voit. Peut-être que le prochain morceau va vous faire plaisir. Si tu as mis Human Lily, tu vas voir. Alors, on a mis Gayvé, mais attention, ça n'a rien à voir avec... C'est Gayvé. Non, ça n'a rien à voir justement avec l'humoriste, ni l'acteur. C'est Gayvé, mais le V veut dire quelque chose qui pourrait vous rappeler une ancienne danse ivoirienne qui a très, très, très bien marché. Gay... Oui, Victor. Voilà, Gay Victor est relié à quelle danse d'ailleurs? Bonne réponse, le kiné, c'est exactement ça. Bon, ça, moi, je vous laisse. Petit, hein. Tu. Oh, y'a... Betty, y'a te tué. Ça au moins. Oui, c'est bon là aussi. Ah oui, c'est même pas la position. Toi, tu connais la position? Tu veux nous montrer la position ou pas? Non, je peux pas danser sur la danse. Non. Tu vas venir chercher quoi dans la veine celui-là? Tu fais des économies. Allez, tout de suite, on va découvrir ensemble la toute dernière danse du groupe 1. Et c'est parti pour l'image sur l'écran. On y va. Bon, c'est une corde. C'est une corde. Hein? Tu vas sauter un cheveu là aujourd'hui. Bon, c'est que... Corde à sauter, c'est vraiment une phrase de la chanson. De la chanson. Mais la chanson en question, elle est de qui déjà? Ah les gars, si vous ne trouvez pas, ça fait zéro point. Hein. Ordi est bien là. Avec tous les trois qu'on a dit là. Oui, déjà. Mais bon, je vais dire, c'est zéro point pour en tout cas cette danse. Vous avez 15 secondes. Non, là, c'est qui calme. Quand tu joues au jeu de la loterie, tu joues, c'est quoi? Là. Eh hey, Dieu, hey, moi je vous aide pas. Hein. Bon, dis, ils connaissent pas, dis en même temps. Loterie. Tombola, non? Tombola, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Monsieur Tombola, Monsieur voilà. Tombola. Et la danse, évidemment, c'est pour tout. Quand t'as sauté, quand t'as sauté, doucement. Les enfants, doucement. Position à deux, position à deux, c'est pour ça. C'est pour ça. Mitraillette à droite. Mitraillette à gauche. Position à deux. C'est pas ça, c'est pas ça. Stop. Lui, il est venu nous perdre. Bravo, non. On va te recruter. Lui, il est venu tout gâter. On va te recruter, tu es fort. Jean de Paul, Jean de Paul, hey. Jean de Paul, Jean de Paul, Jean de Paul, hey. Jean de Paul, 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 c'est la corde. C'est la corde là. Non, c'est plus, il a vu la corde là, c'est fini. Stop. Mesdames et messieurs, après Jean de Paul et tu es content, tu reprends ta corde à sauter. D'accord. 1, 2, 3, 4. Corde à sauter, hey, hey. Corde à sauter, hey, hey. Doucement, mais fais doucement. Position à deux, position à deux. C'est bon ça. Merci. Merci.
Mais vous êtes. Vous êtes vraiment fort. C'est ça là qui est dans cela. Vous êtes. Vous êtes vraiment. Trop pressé qui arrive. Vraiment. Attention les caméras. Soumbi, vous êtes vraiment très, 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 très fort. Ouais, on a assuré là. Dans vos riens. Position 1, 2, tu es essoufflé comme ça déjà. On a dansé que toi même. Moi, j'ai plus dansé que vous. Bon, danse avec les signes continue, avec l'équipe. Wow. Évidemment, Marie-Catherine Classy. Et tu te cravates. Oula, je ne sais pas si ça va être mieux. Mais en Non, pas ici, il ne faut pas y voir te passer. Venez ici même. Ben lui, elle a mis le médicament ici. Bon. Ça va être compliqué, hein, de faire mieux que. Il dit, il a mis le médicament. Je compte sur lui. Ça va aller. Bon, avec première style, image pour l'équipe de. Dans la salle aussi, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Ouais, bien sûr. Vous n'êtes rien ici. On les a aidés trop. Moi, je vais bien vous placer. Arrête de parler, mon frère. Vous regardez devant. Ça, je pense que ça va comme ça, n'est-ce pas? Non, ça va être compliqué, cette histoire. Allez, on nous envoie la première image. Bon, non, franchement, c'est pas compliqué. Si tu as dansé ça, la Digbé, c'est que tu es fou. Je vous jure. Ça, là, quoi. Danse, on va voir. C'est une danse de chez nous. Généralement, les gens qui dansent ça, quand ils parlent français, ils avalent les R. C'est les C'est qui est Mescargo, là? Il peut pas trouver. Atié. Voilà, c'est quoi la danse? Oh, mais c'est Atié. Mais c'est quoi la danse? Un doigt, deux doigts. C'est pas compliqué. Quand tu es célibataire, tu lèves un doigt. Voilà. Voilà, mais quand tu es. Le nom de la danse. Apicheke. Apicheke, bonne Apicheke. Réponse. Apicheke. Donc toi tu as deux doigts, deux doigts. T'en avais dit qu'on faisait un doigt seulement, non? Heureusement que tu es là. Il va sauver les filles. Allez, c'est pas fini encore, même si moi je suis en âge. On va afficher, voilà. Bon, ça là, je sens que ça va être un peu compliqué, mais je peux vous dire que c'est une danse. C'est une danse contemporaine. Et même une danse très très nouvelle au Gabon. Jazé. Ah, toi aussi. Ah, c'est vrai que tu es Gabonais, toi. Mais il se promène seulement. Comment je vais connaître tout ça? Super. Un gars qui se promène seulement. Bon, maintenant il faut danser. Waouh. Là, tu peux danser là, tu as tué, là, tu as tué. Il est fort. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là pour sauver l'équipe, hein, vraiment. Sa maman, son grand-père, sa grand-mère, tout le monde est gabonais chez lui. Hein. C'est embêté du gars. Waouh. Je vois un visage bon, là, c'est Elvis Presley, on le connaît. Elvis Presley. C'est le roi du rock and roll. Ah, attends un peu. Non, je te dis en même temps. Bon, je suis pas comme ça. Laisse partir un peu. Je prends le micro. Pas lui marcher sur les pieds. Non mais c'est surtout. Voilà, c'est la partie là qui peut pas. Yeah, ils ont fait un médicament, mais je sais. Mais l'assiette soit défait. Alors. Il a dansé pour deux. Oui, c'est vrai. Soit défait. Mais en plus, à un moment, il me fait faut pas laisser ma mère. On est en train de danser, il me menace. Ce n'est qu'un début en plus. En plus. Alors, on a la dernière image. Alors, ça, c'est un autre chanteur. Mais c'est le petit là, sentiment mon corps. Bibi. Pour elle, c'est même pas dû. Tu vas voir aujourd'hui. Allez. Comment on danse ça?
c'est montré. Ça va monter. Il a fini par sentir la petite compression. Elle est jolie, on dirait la cousine de la nièce de la camarade de la maman de Moko. Moko, Moko. Oh, il y avait la bêche de Moko. Moko, Moko. Comme un sentiment, Moko. Pas Congo, hein. Marie-Catherine Coitier, Big Bang Cravate, s'il vous plaît. Oh, salut. Vous danse avec les signes. C'était le tout premier jeu, histoire de se mettre en jambes. Et Ordi, évidemment, on a tous suivi. Qui c'est qui repart avec le point de cette première manche? Les choses commencent très mal, Connie. Pour qui? Pour les deux, car ils sont à égalité. Merci, Ordi. Merci, Ordi. Merci, Ordi. Il était dit au début, lui, là, on ne va pas s'entendre. Il était dit ça. Non, mais tu as trouvé les quatre. Non, parce que vous mettez les baoulés dans vos émissions. On ne va pas s'entendre. Il est juste l'ordi. Ah, toi, t'es pas aussi. Hein, il y a quoi si dedans. Il y a un petit quoi quelque part, là. Alors, Ordi, on peut voir le verre à moitié plein et dire que les choses commencent plutôt bien puisque les deux équipes sont à égalité. Mais attention, ce n'est que le début puisqu'il y a d'autres jeux moins physiques, un peu intellectuels, mais pas trop. Ne vous inquiétez surtout pas. Place merci donc pour Digbé, au jeu. Oui. On va m'éponger, d'accord. Oui, oui. Chier. Et vous l'épongez, vous venez me servietter. Très cher Ordi, de quoi s'agit-il? Alors, nous allons vous mettre dans des situations. Vous devrez jouer le jeu en insérant dans votre discours, au fur et à mesure, les cinq mots qui s'afficheront à l'écran. Voilà, je pense que c'est une explication assez explicite. On n'a pas compris, hein. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il a parlé trop en baoulé, c'est ça. On va commencer pour l'impro avec Fatim, que je vais vous demander d'applaudir, évidemment. Eh bien, je... Installe-toi là. Alors, pour toi, comme c'est un début, ça va être très, très, très facile. On va te mettre dans la situation d'une villageoise gabonaise qui est au téléphone avec son amoureux binguiste. Ou bien. Donc, ça veut dire déjà qu'il va falloir, évidemment, imiter l'accent gabonais, mais la villageoise est amoureuse, il faut être un peu mièvre, etc., etc. Et voici les cinq lettres, sinon les cinq mots ou groupes de mots qui s'affichent sur notre écran. On peut encourager Fatim et la laisser dans sa conversation amoureuse avec son petit chéri. Dans tous les cas, c'est une villageoise. Elle est bien placée pour faire. Mais pas gabonaise. Allez, c'est parti. C'est pas grave. Comme tu as le benguis là, ça va aller. Ou bien émergence. Bien envoyé, Fatim. Bien envoyé. Donc ça commence par allô. Allô. Hey, j'ai pu te gagner aujourd'hui au téléphone. Tu ne penses pas que chaque fois que j'essaie de t'appeler,
Le téléphone m'a décontrôlé. Vas-y, commence les mots. Chérie Coco, avec qui tu as, tu sors de la douche. Ah, tu es là t'habiller. Le caleçon que tu as porté là. C'est le caleçon américain là. Ah, tu t'en vas comme ça à Paris là. Donc tu vas prendre le train pour partir aux Champs-Élysées. Je suis ici, oh. Il y a ma cousine qui est venue, j'ai fait un loco, poisson pour lui donner. On est en train de regarder un film de l'américain qu'on appelle Brad Pitt. Non, sérieux, ben, elle a tué. Qu'est-ce qui vous surprend? Une villageoise qui joue son rôle, où est-ce qu'elle surprend? On va voir tout à l'heure, dis-le, si tu vas jouer ton propre rôle ou pas. Mais en tout cas, je suis certaine d'une chose, c'est que tu vas dire pareil concernant Soumbil, que nous allons accueillir sur notre plateau, évidemment. Soumbil. Non, mais ça dépend du rôle que tu vas lui donner. Attends. Quel est le rôle que je vais donner à Soumbil? C'est un rôle choisi au pif, mon frère. Eh bien, Soumbil. Faut pas lui donner un cadre. En tout cas, sinon, vraiment, on va dire que c'est la copie. Non, mais quelque chose de pratique pas qu'un. À pratique pas qu'un. Ah, c'est ça. Mais il est obligé. Merci, merci, amis sportifs, merci. Alors, Soumbil, comme il disait... Il a fait ça avant de commencer à chanter. Comme il le disait, c'est faux. Comme il le disait, à juste titre, un apprenti Gbaka sur le tronçon Adjamé Yopougon qui appelle les clients. Donc, apprenti Gbaka, vas-y. Fais ton travail. Yébra, 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 yébra. Adjamé Yopougon, monsieur, vous partez. Monsieur. Mi français, c'est un peu mon. Viens, Chao, viens, Chao, viens, Chao, attends un peu. On est sur la place, il y a une place, il y a une place. Oh, il faut serrer là, serrer, serrer. Yeah, bro. Bon, bah, tu t'en vas. C'est rallye, ça là, c'est rallye Paris, d'accord. Faut jouer, en gain. Barou. Ndola de Gola, tu as goûté ça, non? Dès qu'on arrive là, en même temps, tu sais, on prend un Ndola. Et c'est beau qu'on est en train de jouer là, non? Yabra. Allez! Je me demande comment tu vas te débrouiller pour le micro de trottoir, par contre. Hein? Bon, serré. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici, là-même? Bon, vu que ça. Que les micros trottoir, c'est ça, ils sont en train de faire ça, non? À 20 ans. Tu les as mis dans leurs élus. On les attend maintenant. Lui là, il a fait un pratique baka. C'est faux. Je peux qu'on a jamais pendant 2 ans avant de faire. Quand tu as dansé quelque chose, il vient avoir. Allez. Dans ton cas, on n'a pas les choix. On applaudit Marie-Catherine Kouassi, s'il vous plaît. C'est compliqué là, c'est vraiment... La choco de l'émission du jour. Là, vraiment. Mais Marie-Catherine. Là, la choco est finie. Ça va être un virage, mais très dangereux que tu vas prendre parce que pour toi, il va s'agir d'être dans la situation d'une jeune femme baoulée qui raconte son dernier paginou. Mais ça, c'est facile. Tu entends quoi? Mais qu'est-ce qui est facile dans cette affaire? Mais tu entends quoi? En même temps, c'est même si quoi? Faut se rétropicaliser. Allez, dis-moi jusqu'au Gabon. Pardon. S'il vous plaît, excusez-moi. Tu dis pas qu'elle est dans son jusqu'au Gabon. Tout à l'heure, on vous a pas embrouillé. Laissez-la se concentrer. On attend Gabon. Allez, en pro, Marie-Catherine Kouassi, tout de suite. Cette année-là même, pas qu'il nous l'a dit. C'était chaud, chaud comme ça. Il n'y a pas d'accent baoulé. Je n'entends pas bien l'accent baoulé. L'accent baoulé va venir. Mais vraiment, mon Pakinou, là, vraiment,
ce dernier Fakimou. Non, la seule chose, c'est qu'on n'a pas pu manger à Bouti. Ah ça, il y a Ebola. C'est affaire d'Ebola. Mais vraiment, j'avais lavé mes affaires dans les machines à laver, j'avais tout apprêté, tout c'est ça. C'est pas la machine à laver. Vraiment. Le dimanche, le dimanche. Il y avait un match, il y avait un ordinateur, partout. Attendez, on va la laisser se concentrer. Yéli, on va la laisser se concentrer. Baoulé qui lave ses habits dans la machine à laver ne peut pas avoir accès à Baoulé, vous aussi. Comme je travaille chez un couple de Français, ils m'ont autorisé à laver mon linge dans leur machine à laver. D'accord. Donc, le dimanche, j'avais un match de football à Bengansou. À Bengansou, en plein Baoulé, là, en plein pays Baoulé. Mm-hmm. Et un joli garçon qui était là-bas, qui faisait les phases et tout. C'était le plus bata, quoi. Le plus bata, le plus beau garçon. Le plus beau, hein, absolument. Même et quand puis, elle veut dire bata, le plus bata. Oh, quoi. Seigneur, je ne peux le pas plus, faire autrement. Conny, mes patrons ont dit. Conny, ici l'ordinateur. Conny. C'est que tu as dit là, c'est ça. Conny, oui, Ordi. Marie-Catherine Kouassi doit absolument prendre l'accent baoulé. Vraiment, moi je suis d'accord. Bon, j'ai fait. J'ai fait pour nous deux. J'ai fait pour nous deux. Non, tu vas l'aider. J'ai fait pour elle, j'ai fait pour moi. Non, mais tu vas l'aider. Viens à côté d'elle. Non, non. C'est individuel ou pas? C'est Gaïo. C'est Gaïo. Son accent. Heureusement que Ordi. On a pâté le village là. On n'a pas mangé à Gouti. Attends, Patti. Un truc est long. Individuel est devenu groupement. Oh. C'est pas grave. Chez nous là, c'est la solidarité. On a pas fait des pas que nous là, on a même pas mangé à Gouti. D'accord. À Gouti même, à côté d'Ebola là. Bon, on était obligé de prendre les habits de notre frère pour laver dans la machine à laver. C'est gagné. Yo. Joli garçon là. Ah, il a joué la finale là. Il a joué la finale. Il a fait deux ans. On a fini la finale après notre. C'est qui m'a appelé chez l'enfant là, c'est comme si il était américain même. Non, on a fini comme il venait d'Amérique. Il a quitté en Amérique pour venir. Qui directement? Ah, mais dans Pakinou là, on a vu les Américains. Marie-Catherine Kouassi, elle essaie malgré elle de sortir l'accent de Baoulé, mais c'est le. On peut l'applaudir quand même. Mais vous n'êtes pas choqués? C'est un sens sud-américain. Alors, sauve la mise. Oui, parce que je rappelle que c'est une non, compétition parce que là, quand même. Va nous sanctionner, là. Ça reste une compétition. Tout le monde a vu, hein. Alors, ouais, dis peu cravate. Oui. Sauve la mise. Comme tu te fâches tout le temps. Ouais. Là, tu vas t'énerver. Ça, c'est vrai. Il va s'énerver sur un petit garçon. Petit un enfant. Bébé même. Donc, tu es un médecin qui est énervé par les pleurs d'un enfant que tu dois vacciner. Ça donne quoi? Voici tes mots. Et ton impro, c'est honte, maintenant. On va faire ça bien. Allez. Hé, il y a quoi? Il t'a dit, je vais te piquer. Avant le petit piquer, là, tu pleures comme ça. Un garçon, il a croqué. Ça veut dire quoi? C'est un bébé. Un garçon, il a croqué. C'est un bébé, tu veux dire. Et c'est croqué là qui a fait qu'on a été champion d'Afrique. Tu es là, petit piqué comme ça, tu es en train de pleurer. Bon, envoyez Chef John là, il va manger. C'est un bébé. Voilà. Attends, les enfants qui pleurent trop comme ça, là, on doit mettre leurs photos sur Facebook. Hey. On applaudit Nicolas Travail. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il raconte là? Non. Yes, yes. Ordi. Oui. On a tous regardé ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui. Moi, personnellement, si on me demandait de choisir, oui, je ne saurais faire de choix parce que j'ai apprécié tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais c'est vous qui décidez, Ordi. Tout s'est très bien passé jusqu'à ce moment-là. Ah. Donc, évidemment, à gagner cette épreuve, et je vous dirai pourquoi, c'est Fatim Sidney et Soumbil. Merci.
Mais tu vois tes tuyaux aujourd'hui, tu vois tes tuyaux aujourd'hui. Là, tu là. Ça fait rien. Bravo, bravo, bravo. Allez bien chérie, on y va. Alors, Henri, vous nous avez promis. Voilà, oui. Il est très important de savoir que Fatim, Sidney et Soumbil ont gagné. Pourquoi? Parce que Dick Buck Cravate et MC Kwasi étaient presque à égalité. Mais la dernière intervention, j'étais obligé de donner un demi-point. Ah! C'était tout simplement. Un demi-point, ok. Bon, ben, c'est un. Henri! Oui, c'est vous qui décidez, évidemment. Et moi, je vais demander à tous, dans quelques instants, de nous retrouver pour la suite des jeux. On va chanter, il y a le Carafolie, il y a le défi aussi, on a beaucoup de choses à vous proposer. Mais tout ça, ça va être après un court instant de pub. Il se fait. À tout à l'heure. Attends, il y a soirée ici. Mais pourquoi tu te passes avec elle? Ah, comment je ne me passe pas avec elle? Cinq. Ouais, t'en pas plus ça. Cette force, ça jaillit. Ça jaillit. Une cuvette? Non. Un berceau? Non. Un bateau? Oui. Exceptionnel. Vous avez vu tout à l'heure, ils ont tous tué. Et attention, ce n'est que le début du commencement. Et nous sommes toujours donc avec Dick Buck Cravate, Marie-Catherine Kwasi, Fatim Sidney et Soumbil. Allez les amis, on a rigolé, on va encore rigoler, encore un tout petit peu plus, mais à votre dépense certainement, parce que c'est l'heure du nouveau jeu et donc place au jeu. Le dé. C'est quoi le défi, Henri? Le défi, vous allez lancer des dés. Celui qui obtient le plus de points infligera à l'équipe adverse un gage parmi ceux de notre sélection. Voilà, c'est assez clair. On va nous envoyer les dés. Et je vais demander à mes invités de me rejoindre ici. Venez, 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 venez. Venez, venez, des enfants. Mais viens. Pour le défi, nous allons peut-être commencer avec les dames. Vous allez lancer tout à l'heure de dos, évidemment. Marie, Catherine, tu vas te mettre juste de ce côté-là. On va tout de suite afficher sur notre écran la liste des différents gages du défi. Voilà. Alors, attendez d'abord. Vous n'allez pas lancer tout de suite. On va vous dire à quoi vous attendre si jamais vous perdez. MC, regarde sur l'écran. Remplir sa bouche de marshmallow et dire la phrase suivante. Un chasseur, sachant chasser son chien, c'est un bon chasseur. Bon, moi j'ai suivi des cours de diction, donc c'est plus facile.
Bon, le 2, c'est une surprise. On ne peut pas vous la dévoiler pour l'instant. Et le 3, c'est porter une grosse robe d'écolière. Je peux vous le dire, autant pour moi, la robe, elle est vraiment moche. Elle est vraiment très, très moche. Donc, une grosse robe d'écolière et faire la Miss Colonie. Elle était si jolie. Enfin bref, on va commencer. Premier lancer avec les filles de dos. On va les encourager. Et vous allez lancer, évidemment, au top de Ordi. T'inquiète pas, non, regarde. Ordi. Oui, Connie. Vous donnez le top et on lance. D'accord. Attention. Top. Allez, c'est parti. Lancez. On a tous vu. J'ai dit où est la preuve. Alors, Marie-Catherine Kouassi et Digbe, jubile comme ça. Dans la liste. Il est mauvais, ce jeune homme. Dans la liste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est moi qui choisis déjà le défi. Qui choisit? Non, non, c'est nous qui avons gagné. C'est toi qui as perdu, donc c'est eux qui vont choisir. Tu vois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais donne-lui le micro. Si tu ne t'étais pas, tu vas porter une robe là. J'ai dit, donne-lui le micro. Pour une fois, il va se venger. Marie-Catherine Kouassi, toi-même, tu sais. J'ai allez, on choisit rapidement. Franchement, ah, allez vite. La solidarité, c'est mini. Prends, faut prendre la surprise. Non, non, Marshmallow est mieux. Et la surprise à elle. Mais surprise. Tu as quel problème? Tu as quel problème à ça? Surprise. Elle aussi avait la se venger. Surprise, alors, la surprise. Il faut que tu choisisses à qui tu vas infliger cette surprise d'abord entre les deux. Moi, je suis dedans. Tu es dedans. Tu n'es plus du là. Jusqu'à présent, il a eu les choses trop faciles. Donc ça va être Zumbi. Zumbi. Ordi. Tu m'as dit que tu aimais les surprises. Tu m'as dit que tu aimais les surprises. Surprise. Bon, c'est quoi la surprise? Attendez, on va la découvrir. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Fatim, on va découvrir. C'est Paris local. On va découvrir ensemble la surprise. Alors attention, pour la surprise, Zumbi me regarde. C'est une surprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut faire la danse de Robert Kidiaba Moutoba, le gardien du but de l'équipe de foot de la RDC. Oh my God! Oh my God! Oh, non! Pitié! 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 On ne veut pas pardon! Tu vas voir! Il y a longtemps qu'on y cherchait ses pieds pour nettoyer ici. Là. Fatim va t'aider. Soumbil, attends, il est rapide. Hein. Donc non, on a dit Soumbil. Allez, on encourage Soumbil. C'est la même équipe, j'ai fait. Soumbil. Donc, on va s'asseoir Soumbil comme des rois et puis on va regarder. Tu vas pas casser, vas-y. Voilà. Vas-y, amuse le, amuse le roi et la reine. La musique. Oh, c'est Pierre. On applaudit. Allez, revenez les amis. Merci de nous avoir montré. Mais c'est pas fini encore. Les garçons vont lancer, évidemment. Et on en a un six là. Il y a le chat. Il n'y a pas encore lancé, il va me tuer. Vas-y, venez. Attention, attention. Non, même pas comme ça. Faut pas que l'homme ait la déchirée. Écoutez le top de Ordi. On regarde tous. Voici le top. Lancez. Allez.
pensais même avant de choisir. Je vais te tuer aujourd'hui, je vais te tuer. On va regarder ce qu'il reste de notre liste où il remplit sa bouche de marshmallow et il doit dire la phrase en question. Ça, là, il connaît ça. Il porte la grosse robe. On a les mêmes droits. Qui brise. Évidemment. Pour ce que vous m'avez fait subir, dis que tu vas mettre ta robe. La robe. Voici la robe en question. C'est pas grave, comme tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais ça, là, mais c'est joli. C'est pas ma taille. C'est pas ma taille. C'est justement. La robe n'est pas XXL. Non, c'est pas. C'est Digbe. C'est Digbe qui porte la robe. Mais tu te plains de quoi? Tu n'as pas assez de vêtements. Tu as assez de vêtements. On veut te faire un cadeau, c'est le problème. Marie-Catherine, faut te rasseoir. Asseyons-nous laisser... comme des rois. Allez, vas-y. Et regardons le défilé. Faire son show. Non, Kouni, on porte la tenue déjà ou bien... Non, il va porter la tenue et nous allons chanter. Pardon, faut faire ça doucement. Non, il doit enlever son pantalon. Il n'enlève pas. En plus, ça lui va bien. Ça lui va bien. Prenez la photo, ceci est à mon mari. En plus, la ça lui va bien. Colonie, elle était si jolie, elle était si mignonne, elle était si mignonne. La Miss Colonie, la Miss Colonie. Prenez les photos, elle les photos. Elle était si jolie, elle était si mignonne. Tu gardes la robe. Hein. Il veut danser avec bébé dans tout. Tu veux l'asseoir. Oh là 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 là, quel délire! Mais franchement, tu vas à merveille. Ça lui va trop bien. Le couturier me connaît. Mais c'est pas choquant. Toi, au moins, tu repars avec un cadeau. Pour ce défi que moi j'ai trouvé extraordinaire, merci de faire une salve d'ovation pour mes invités. Allez! Ah, on va souffler avec ça. Le public se lève. Oui. Et le public se lève. Tout le monde se lève. Oh, 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 oh. La robe là, c'est quelle classe? Tu veux, lève-toi un peu. Ouais, mais non, la robe là, c'est quelle classe? Vas-y, vas-y. Ça va. Ça te va, hein? Ça te sait, tu as avec ma robe. Regardez les photos. Allez, allez! Je la garde. Non, ça c'est jusqu'à la fin de l'émission. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Oh là là. Quel moment. C'est trop chic. C'est quelle émission ça là? Ah, je suis fatiguée. Mais c'est trop doux. Non. Non, tu gardes ça jusqu'à la fin. Tu la gardes. Au moins pour la prochaine rubrique. On va chanter maintenant. Place au jeu. Carafolie. Ordi, qu'est-ce qu'on va faire Carafolie. Là maintenant? Carafolie. Il s'agit de chanter sur l'instrumental d'une chanson connue. Les paroles d'une autre chanson tout aussi connue. Voilà. Pas facile. Oui, pas facile, mais un peu facile quand même, je crois, pour les professionnels. On va commencer par l'équipe de Digbe et MC Kwasi. Merci de me rejoindre sur la piste. L'équipe de Digbette. Il fait genre dans sa robe. Avec sa robe, ça va nous inspirer. Ça lui va oui, comment? Moi, je suis rassurée. Alors, pour ce premier Carafolie de ce On s'éclate, Digbe et MC Kwasi, vous allez devoir chanter les paroles de Je me tire de Maître Gims. C'est-à-dire. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Digbe, André, il connaît ça. Je les jure, il est sûr, ça. Vous allez chanter ça sur la mélodie de Abidjan Faro de Espoir 2000. La nuit, c'est la nuit, tous les chats sont gris.
là, tu es dans ton élément. Facile, mon pote. C'est vrai, on a rien, mais on consomme. Tu fais comme je t'ai montré. C'est qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le souvent, c'est le Il a son visage. Allez. Wow. Il a son visage. Il est découragé. Public. Carafoli Digbe, ah ouais, Marie-Catherine Kouassi, qu'on affiche les paroles de la chanson de Maître Gims sur la mélodie de Abidjan Faro, et c'est parti. Ta robe là te va. Je prie de ne pas pourquoi je suis parti. Ça motive, partage sa manque. Qui s'endurcit, c'est ce qui s'est tiré. Papi, laisse-moi partir loin d'ici. Regarde-moi, je suis en l'église. Heureusement que l'ordinateur voit tout. Hein. Hey, au revoir, on continue. Yeah. J'ai bien commencé. Mais j'ai pas fait, si ton fait plus pris. On a perdu Marie-Catherine. Mais je dis, juste pour la rime, mais je me tire dans un endroit, un endroit de la Marie-Catherine. Hey, vas-y. Après, ça lui a un coup de main, il se merde. Madou, vous remettez à la... On a effectivement perdu Marie-Catherine Kouassi. On veut entendre Marie-Catherine Kouassi. On veut encore Marie-Catherine Kouassi. Allez, essayez. Vous avez fait. Hey Gogo. Parfois, j'en sens que mon cœur, c'est triste à dire. Hein? De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Attendez. On va entendre juste un mot de Marie-Catherine Kouassi. Allez. On a entendu. C'était le Carapoli, Marie-Catherine Kouassi. Non, là, c'est ça. Dis-moi, tu vois rien, quoi. C'est qu'elle voit ça. Yako. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît. Mais pas soutenu. On dit pas chanter, Marie-Catherine Kouassi. Non. Le son ne tu sort pas. Tu n'es pas membre du jury, non. Elle a ça. Je réfléchis. Dieu ne dort pas. Le truc, c'est que le son se passe. Tout de suite, tu disais quoi? Non, sa tête, elle est dans les envolées, là. Maria Carré, là. Grave. Mais non, ça mais sort tu pas. Dois garder la robe jusqu'à la fin, Digbé. Oui, garde ta robe. Non, mais dis-moi. Non, Digbé. Tu es obligé de respecter notre défi. Bon, prochain Carapoli. Mettez climatisé dedans. Vous savez qui fait chose. Ah. Prochain Carapoli, même si moi j'ai pas entendu la musique de sortie de Marie-Catherine Kouassi. Soumbil, Fatim, venez. Okay. Les chanteurs sont là. Vous êtes là ou quoi? Tu ne savais pas quoi chanter. Tu peux pas danser quand on dit tu l'as. Quand on gagne, elle veut danser avec moi. Mais moi je suis bonne personne. Bon, alors, les doulas, vous allez chanter les paroles de « Chérie, tu m'insoules » de Killer Ikwan et José, c'est-à-dire cette chanson. Alors, je sais que Digbe va la ramener encore, hein. Ça j'en suis sûre et certaine, parce que ça va être sur la mélodie de Magnum Moko de Ismaël Isaac. Ah.
pas, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est une mélodie. C'est une mélodie. Djula va chanter sur sa jante Djula. Mais il chante pas Djula. On chante pas Djula. On a donné pas qui nous a baoulé. On a donné pas qui nous a baoulé. Ils ont zaé ici ou bien. Alors, dans tous les cas, vous êtes dans on envoie les paroles. C'est la même chose. Et qu'on mette la chanson. Rose. Wow. Et puis vous donnez reggae à Rasta. Jusqu'à preuve du contraire, ici c'est moi le patron. Bébé, tombe ma lettre. C'est trop fou que tu changes de ton. Les factures, c'est moi qui les paye. Alors colle-moi un peu de paix. S'il te plaît, bébé, arrête. Je veux que tu la fermes. J'avoue la nuit. C'est moi, la baronne. Tu fais ton petit malin. Mais au lit, tu me demandes pardon. La cuisine, c'est moi qui l'a fait. Ton plaisir, c'est moi qui le fais. Bébé, s'il te plaît, arrête. Je veux que tu te la fermes. Ah, bébé, tu me saoules. Tu me fous la boule. Tu es la seule femme, c'est moi qui porte la cuisine. Donne comme tu peux sous l'eau. Yeah, wow. Ma chérie, tu peux sous l'eau. Toi aussi, tu fous les boules. Ta gardienne, c'est toi. L'homme, tu abuses un peu trop. Attends, on se calme un peu. Oh. Que ce capitaine dans un bateau. Arrête de vous prendre la tête. C'est juste pour le café, non pour la fête. Oh, tu gagnes d'un petit bol. Toi, tu ne fais que frimer. Dans ta scène égo. Et tu prends pour le seul tombé. Ben good, je le suis. Toi, t'es tué. Allez, on fait les applaudissements. Et attention, merci. Attention, avant les résultats de Ordi, Fatim, je vais te permettre de te reposer un peu. Merci. Je vais garder Soumbil avec moi pour que on puisse me mettre uniquement la version instrumentale de cette chanson sans les paroles pour que Soumbil puisse nous faire une interprétation de cette chanson de Ismaël Isaac avec les vraies paroles. Ça te va? Je vais juste vous demander de le laisser tranquillement faire sa prestation, s'il vous plaît. Ça, c'est la confirmation. Et pas sous. Maillot banco, l'épée, enseignement d'Opokiyama. Banyo mako lepe, ante nyongondo fokiyama. Banyo mako lepe, niye. Banyo mako lepe, niye. Isa woro ne santi woro. Lepe, ante nyongondo fokiyama. Banyo mako lepe, ante nyongondo fokiyama. Manyo mago lebe niye. Manyo mago lebe niye. Isa woro ne sanji woro. Dangani tu babu kalanke. Ke, ke. Dangani mandangu kalanke. Isa woro ne sanji woro. Dangani mandra sakarake. Ke, ke. Demani, mon
ancora vai a lei, a promozione le uda l'uma chi si fa, a promozione le uda l'uma chi si, il affogo magno ma coleve, ante non dopo chi ama, magno ma coleve, ante non dopo chi ama, magno ma coleve, yeah. Magno ma cole bene, caro diala dalla, diala sigi ma dia o tigira, caro diala dalla, para guare ma dia o tigira, caro diala dalla, diala sigi dia o tigira, caro ma dia dalla, para guare dia la o tigira. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci Manon. Si c'est ça là, c'est que moi-même je pourrais chanter ça. Allez, qu'on me mette la musique et qu'il chante. Attendez. C'est les crush. Grand geste. Hein. Macolébé, ante yo goto fokia. Ça n'attend pas bien. Macolébé, ante yo goto fokia. Macolébé. On n'entend rien là. C'est la basse. Tu es quelqu'un qui peut. Ne fais pas le grand frère, il va pleurer. C'est pas ça. C'est pas grave. Attention, Imo. Personne ne bouge. Moi, je peux bouger. Ordi, moi, je peux bouger. Et moi, je vois, hein, Ordi, regardez bien votre écran. On regarde. Il y a des gens qui bougent par ici. Hein. Il y a quelqu'un. Il y a Soumbil qui a bougé, je vous jure. Il a bougé, Soumbil. Soumbil a bougé. Mais c'est fini, non? Soumbil a bougé. Dis-moi, c'est fini. Non, lui, il est rentré là. Oui, c'est lui, le Imo, justement. Oh là là. Soum a bougé. Comment vous voulez pas qu'on bouge avec un monsieur comme ça? Je sais jamais d'où il sort, lui. Le mec, il fait son show. Marie-Catherine Coissier, elle veut pas bouger tellement, il veut pas prendre. Mais il sort d'où? Ordi. Oui, Connie. On est d'accord que Soumbil a bougé. On est d'accord. Ça va être quoi son gage? On va le découvrir dans quelques instants seulement, évidemment. Exactement. On va laisser un petit moment de suspense. Hey! Et je roule, roule, roule. Allez, mesdames et messieurs, il y a la dernière
partie de On s'éclate dans quelques instants seulement. Ça va être pénalty. Oui, on va revivre les émotions de la dernière CAN. Nous sommes champions d'Afrique. Mais cette fois, attendez, pardon. Vous pouvez bouger, hein, pardon, excusez-moi. Ah, mais depuis là, on n'a pas dit. Tellement ils n'ont pas envie. Ça va être... Après un court moment de publicité, on va se retrouver pour la suite et la fin de On s'éclate avec nos stars qui sont mais vraiment dans le jeu. Ça fait tellement plaisir. À dans quelques instants seulement. Il y a soirée ici. Mais pourquoi tu te passes avec elle? Et comment je ne me passe pas avec elle? 5 Ouais, t'as pas besoin de force, ça jaillit, ça jaillit. Une cuvette? Non. Un berceau? Non. Un bateau? Oui. Je vous ai parlé de pénalty, ça ne va pas être triste. Qu'est-ce qui va rentrer en compte, en ligne de compte, dans ce pénalty? Jimmy va nous le montrer tout de suite. Une balle, ça c'est tout à fait normal. Une balle et 50 nuances de gris. Et des menottes. On vous expliquera tout à l'heure le mécanisme de tout ça. Mais avant, on n'oublie pas qu'avant la pub, eh bien, il y avait un gage pour notre très cher Soumbil qui avait bougé lors du IMO. Ça va être quoi? Il a bougé après aussi, hein. Digbé. Hein. Exactement, Zoumbil a bougé tout à l'heure. Juste donc, après Digbé. Le gage, à chaque fois que l'alerte... Ordinateur, toi, tu ne vois pas bien. Attendez, s'il vous plaît, on écoute l'ordinateur, messieurs, dames. Il ne voit pas bien. À chaque fois, à chaque fois que l'alerte, c'est-à-dire un jingle, retentit, la star, c'est-à-dire Zoumbil, doit se lever et dire les bras en l'air. On s'éclate, mais attention, avec l'accent chinois. D'accord. À chaque normalement, fois. Normalement, l'alerte en voilà. Question, c'est quoi? Alors, on va l'écouter, l'alerte. Tu... C'est à chaque fois que Soumbil, tu entends ça, tu dois faire... On s'éclate! Vous voulez qu'on fasse un essai ou pas? Attention. Il doit se lever pour le à faire. À chaque fois. Et on ne sait pas combien de fois ça va passer. Pas la tête, je parle même. Toi, tu dois même pas parler. Tu dois pas parler. Il doit se lever. Il doit se lever et le faire les bras en l'air. Là, tu te lèves, tu mets les deux bras là. Non, il met un seul ton bras parce qu'il a... Ton va sortir. Il a son micro. Si tu as pu par tes robes, allez, on voit, la sauce. Juste un essai. Ah, c'est clair. Même là encore, il va te tuer. Il le fait tellement bien. Oui, merci beaucoup. Tout de suite, le tout dernier jeu de cette émission. Place au jeu. On a dit père. Encore. Oh, c'est clair! C'est clair! Doucement à moi, hein! Penalty! Ordi! Expliquez-nous le principe de ce du jeu! Du penalty. Alors, chaque équipe choisit un gardien de but.
à qui on passera les menottes. Une menotte un petit peu spéciale. Il aura donc tout le reste du corps pour arrêter la balle. Wow. C'est-à-dire amortir. Voilà, amortir. Les voilà. Pieds, les jambes. Donc les deux membres de chaque équipe tirent au but, chacun son tour une seule fois. Voilà, alors Soumbil, dans votre équipe, qui sera le gardien ou la gardienne? Je suis le gardien. On non, mais c'est pas juste. Pourquoi? Bah, si, C'est à nous de choisir. On va demander à une dame d'être dans les poteaux. Hein. Merci. C'est quoi, tu veux pour la galanterie. Qui sera gardien? Galanterie oblige. Je n'entends pas, tu n'as pas ton micro. Béthé n'est pas le gardien. Gardien, là. C'est égalité. Je n'ai pas compris, c'est moi. Non. C'est égalité aussi, souvent, c'est vrai. Non, mais moi, j'aimerais bien voir Marie-Catherine Coissy. Ah, quand même. Elle va faire ça. On va commencer par Marie-Catherine Coissy, justement, en tant que gardienne. Je viens l'aider, même. Ouais. On va lui mettre les menottes. Bon, du coup, toi qui as l'habitude d'utiliser des trucs comme ça. Hein. Ah bon? Il m'a pas dit ça. Il connaît. Pressé de lui planter ça. Ça, c'est quel homme, ça? Allez, galanterie. Attendez, on va le faire vraiment devant la caméra. Allez. En tout cas, il y a Kamara, viens, montrer ça là. Conjoint. Tu connais mes notes, hein, Digué? Montre-nous bien ça. J'étais policier avant, viens. Non, mais ces menottes là, c'est vraiment pas pour la police. On ne peut même pas demander l'aide du public là, parce que là, franchement. Marie-Catherine Coissy, Yako. Quand je pense que tu m'as inspiré pour la télé. Au début de ma carrière, quand je pense aussi que... les mauvais. Quand je pense que je regardais toutes les émissions. J'ai été con habillé. Quand je pense que tu m'as inspiré pour ma carrière d'animatrice. Et ma petite, tu es vraiment ingratitude. Et te voilà. Menotte. Ton ingratitude. Menotte. Concentration. Viens là. Voilà. Tu te mets voilà. Là. Oui. Fatim va être voilà. La première à tirer. Puis, on encourage. Quand la balle vient, il ne faut même pas faire d'efforts. Tu fais comme ça, seulement vous bloquer, c'est tout. Voilà. Dis que, bon soir. Vous demandez quoi? Du haut but. Attention, on ne tire qu'après le top de Ordi. Donc, Ordi, on attend votre top. Attention. Fatim, tire doucement, pardon, pas blesser ma tata. Top. Allez, le top est donné. Doucement. Oh! On reprend. Zombie, viens! T'inquiète pas! Digba! Il y a de la triche, tout ça! Digba! Moi, c'est pas normal, mais là, il a envoyé. Attention! Moi, il a envoyé, hein! Attendez! Il est important pour moi de signaler aux deux équipes que l'équipe perdante va subir le gage final de cette émission qui sera une surprise. Soumbil, Ordi, on vous attend. Ordi. Excusez-moi. Hein. Attention. Soumbil, doucement, pardon. Top. Stop. Rapidement, on va changer d'équipe. Soumbil, c'est toi le gardien. Non, mais tu es vraiment... T'as de gros bras, toi. Allez. Marie-Catherine Coissy. Tu vas être la première à tirer. Ah, ah ça. Attention. La jambe plie vite. Oh là là. Est-ce que Gomé peut mettre le top du... Oh, c'est 4. Pour Soumbil. Ordi, vous avez la parole. Attention, le top. Top, c'est parti. Oh!
sûr. Les gens oublient vite. Ordi. Oui, Penny. Le top. Attention. Top. Mesdames et messieurs, ils sont à égalité. Ce n'est pas tout à fait terminé. Mais attention, Ordi. Oui. Ce que nous allons faire. Non, mais ce n'est pas terminé encore. Alors? Car Conny n'a pas encore tiré. Aïe. Sur qui? Alors, un gardien au hasard. Psy, quoi, bah, quelqu'un du public alors. Exactement. Mais attention, moi je tire les boulets. Bah, on va faire sans menottes alors. Les mains derrière le dos. Attention. Évidemment. Oh, t'as vu, non? Il a tiré fort. Il a mal à la tête, il a tiré fort. S'il vous plaît, qu'on me dégage son poteau. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Cher Ordi, oui. Vous allez nous annoncer tout de suite qui c'est qui remporte cette émission. L'équipe A ou l'équipe 2? Attention, dernier petit calcul. L'équipe Fatim, Sydney et Soumbil. Merci Ordi. Fatim, Sydney et Soumbil. Tu es quelqu'un. Je ne suis pas étonné. Fini, Nicolas. On est fair play. On est fair play. Il n'y a pas de souci. Dieu est juste. On s'est trop fatigué pour ça. Alors, je ne suis pas étonné. Bon. Vous-même, vous savez tout. Quand tu perds, tu n'es pas étonné. Vous-même, vous savez tout. Moi, la robe, là, je trouve que c'est dommage de la gaspiller. Donc, ce que je vais faire, je vais la porter pour la suite. Ben, Yannick, ton couturier est là-bas. Il s'appelle Mbaifal. Alors, malgré que Soumbil et sa partenaire ont gagné, il ne doit pas oublier de toujours se lever lorsqu'il entend le jingle. Mais il a oublié, et non, il a perdu. Et il parlait sans. Oh, c'est clair! Je peux pas perdre. Ça me fait trop rire. Oh, c'est clair! Conny, on a un dernier petit jeu, très rapide. On aimerait bien cette fois-ci que lorsque le public entend le jingle, eux également se lèvent tous ensemble et crient « On s'éclate » en chinois. Alors, il fait les phrases chinois, mais ça. Alors, comme je le disais, Soumbil, belle carrière de Zouglou Man avec une formation Salopard. Vous avez révolutionné donc cette tendance musicale ivoirienne. Et puis Soumbil, tu bifurques un peu. Enfin, disons que tu fais quelques infidélités à ton rythme de naissance, si je peux dire ça comme ça. Et puis tu nous offres ça, Miss Présidente, et tout un album en reggae. Oui, c'était un vieux kiff, hein, une envie, de réaliser un vieux rêve. C'est pour ça que l'album s'est fait appeler Escale. Mm-hmm. En fait, on avait prévu sortir deux albums. Un album 100% reggae, puis un album Zouglou. D'accord. Donc, une envie de partager
des temps de studio avec un certain nombre de musiciens que j'apprécie particulièrement. Donc l'étape reggae, elle n'est pas totalement fermée, mais l'étape zouglou est en train de se rouvrir, j'ai envie de dire. Elle est en train de se mettre en place, donc voilà. Et ça sera un album de 14 ou 15 titres qui va s'appeler Zouglumanity. Dans peu de temps, vous aurez la primeur de découvrir cet album. Waouh, on a hâte. Patrick Sidney, en ce qui te concerne, toi, bon, on sait qu'il n'y a pas de thé dans le monde entier qui est un secret pour toi. Évidemment, tu as parcouru le monde entier en tant que top modèle ivoirien. Maintenant, tu fais de la télé, tu produis et tu animes cette émission qui s'appelle La Saga des Mannequins. Mm-hmm. Parce qu'on a remarqué que c'est parce que les gens, ils n'avaient pas une connaissance de la personne qui était derrière le costume du mannequin, en fait, oui, qu'ils avaient beaucoup de préjugés. Donc, on a essayé de créer une télé-réalité qui s'appelle La Saga des Mannequins. Et puis, il y a l'événement Chute annuel, 6e édition, qui est l'événement La Saga des Mannequins. On a instauré le semainier officiel, oui, des mannequins de Côte d'Ivoire, essayer de former une nouvelle élite de mannequins en Côte d'Ivoire, pour ne pas que quand nous en part, qu'il y ait des podiums vides. De toute façon, c'est un métier qui intéresse beaucoup. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup d'enjeux autour. Ici, qui est l'association des agences et mannequins de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. MC Kouassi, je vous disais en intro de l'émission que c'est vrai que ça fait des années que tu as dit au revoir au petit écran, même si tu es revenu quand même oui, pour le compte du Bennett, faire oui, une émission d'information. Oui, information, une émission communication, développement. Mm-hmm. Mais le divertissement, il y a longtemps que tu lui as dit bye-bye. À notre mais il y a d'autres choses hein, en matière de divertissement. Il y a une radio que je manage, dont je suis propriétaire. Donc le divertissement, c'est au quotidien, mm-hmm, au niveau de cette radio, faire des programmes qui intéressent des jeunes, des moins jeunes également. C'est quoi? C'est à un moment tu t'es dit il y a une étape maintenant à franchir. La télé, c'est bon pour moi? Non. Moi, je dis toujours que la télé, c'est pas fini. Il y aura des opportunités et ces opportunités-là, je saisirai, au bon. Ça veut dire que tu peux revenir. Sans problème. Oui. Sans problème. Et tu sais, Connie, c'est la première personne qui nous a joué en radio. C'est Marie-Catherine Coissier. Ah ben voilà. Pardon? La première personne qui nous a joué en radio, bah, c'était vous. Absolument. Ouais, hein, les garagistes. Je me souviens, j'ai encore les photos. Garagistes. Oui, oui. Déjà les garagistes, avec tout carrément. À fait, c'est vrai. D'accord. Merci. Je les ai retrouvées, ces photos. Merci. Absolument. Monsieur le professeur. Oui. Le prof du foot. Oui, oui. Bon, oui. Ça, c'est entre autres l'un de tes nombreux gombos, évidemment, en tant qu'humoriste. Il y a quoi d'autre en ce moment? Alors, en ce moment, on propose une émission à une télé, d'accord, qui va regrouper tous les meilleurs humoristes. Je sais qu'il y a Gohou là-dedans. Il y a Gohou, il y a Maman, Adama Daïko, il y a Poukari. Et il y a tous les meilleurs humoristes de chaque pays francophone, Afrique noire. D'accord, mais voilà, c'est bien, c'est une fédération carrément. Et au-delà de cela, le plus grand projet, c'est un long métrage qu'on va tourner ici au Burkina et au Mali. Ah ben ça bouge beaucoup de ce côté-là. En tout cas, Fatim Soumbil, Marie-Catherine Kouassi et Digbe, nous on vous souhaite bon vent pour la suite de vos différentes carrières. Et moi je vous dis merci beaucoup d'être passé sur le plateau de On s'éclate. Vu que... Merci beaucoup, mais c'est qu'un show qui vient. Je te dis, hein. J'ai envie de dire que... On a gagné, on n'a pas eu de cadeau. Vous n'avez pas eu de cadeau. Vous avez notre reconnaissance, c'est déjà beaucoup. D'accord. N'est-ce pas? Mais vu que pour le penalty. Personne n'a gagné. Oui, maman a versé un saucisson Kouni. Ça, c'est le dernier gage. Donc, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Jeff. Je sais pourquoi tu me donnes ma robe. Je fais la robe. C'est pas normal. Vous pouvez déposer vos micros et venir me rejoindre. Déposez vos micros et venez me rejoindre. Allez, venez. C'est la fin de On s'éclate, allez. Mesdames et messieurs, c'est le final donc de cette émission On s'éclate avec Digbe Kravat, Marie-Catherine Kouassi, Soumbil et Fatim Sidney. La douche écossaise avec des surprises à l'intérieur des seaux. Impossible pour vous de voir. Et c'est comme ça qu'on va se dire bye bye. Mesdames et messieurs. Et je vais vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous. On s'éclate.
femme en plus. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Et au revoir. Équipe et tout, donc il a fallu que l'ordinateur soit vigilant vraiment quoi. Et voilà, donc on a gagné. Merci. Moi je n'ai jamais autant dansé, autant ri et autant chanté. Voilà, je crois que c'est une bonne émission. On s'est vraiment éclaté, un danse éclate et ça a été vraiment un grand grand plaisir. J'étais nulle. Non, c'est une très bonne émission. Bon enfant, bonne ambiance, on a bien rigolé. On fait rarement des émissions comme ça à la télé. Le fait d'avoir participé à cette émission, ça m'a donné envie de faire d'autres émissions. On s'éclate. Big up. Non, c'était trop bien. Toujours on a souffert pour ça, mais on sent des paroles. Sinon, sinon on est trop nul, toi aussi. Pas après, un peu. Après, la prochaine fois, je vais choisir mes adversaires. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est bon, bien. On s'est donné ça à On est dépassé, on attend, il y a soirée ici. Mais pourquoi tu te passes avec elle? Et comment je ne me passe pas avec elle? Cinq. Ouais. Force, ça jaillit, ça jaillit. Et une cuvette? Non. Un berceau? Non. Un bateau? Oui.